Qu'est-ce que tu fais avec ça? L'important, c'est le regard. Et les gens ne regardent pas. Les trois quarts des gens ne regardent pas, ils appuient. Ils identifient. Mais le regard qui perce le sens de ça, très peu. Et qu'est-ce qui perce ce regard? Il y a un point d'interrogation. J'ai découpé des lettres dans l'écho de Paris. Je me souviens quand j'étais gosse, et j'ai collé ces lettres sur une grande glace en bois doré. Et ça fait le mot « D'où vient l'argent ?» Et j'avais 14 ans, je crois. Lavé dans la baignoire à la maison. Et mon père, quand il a vu ça, mais Henri, mais tu as des sœurs. Je n'ai pas compris du tout pourquoi me disait ça. Henri, mais tu as des sœurs. Ma mère militait pour la fermeture des bordels. Les conversations, chère mère, sont plus passionnantes que dans votre salon. Ah oui, vous lui disiez ça? Oui. Ah, mon pauvre chéri, si tu avais un bon confesseur dominicain, tu n'en serais pas là. J'ai jamais eu de confesseur dominicain. Je me confessais plutôt aux filles des bordels, avec Pierre Josse et tous mes copains. Et surtout, c'était des cathos de gauche. C'était pas des... Tu sais ce que c'est que les cathos de gauche? Non? Oh, ça existe encore, je pense. C'est de là que je sortais, quoi. Puis je me suis tiré, j'étais en Afrique. On est dans un monde de privilégiés. Faut pas gratter beaucoup et aller voir très loin pour voir la différence. On est bien fringué, bon. Il faut mettre ça au service de quelque chose auquel on croit. On peut être vieillard et révolté. J'étais en tôle. Chaque fois que j'ai été repris après m'évader. Deux fois, je crois. On faisait 15 jours de cellule, 3 mois de compagnie disciplinaire, avant de retourner en commando. Je me sens toujours prisonnier évadé. Ouais. C'est Fleury Mérogis. Faudrait que j'y retourne avec Souban à Fleury.